Eh bien, salut à tous, bande de gamers, et on se retrouve donc pour la suite de Dead Space. Et je ne m'en rappelle plus encore une fois, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait enlevé les plantes empoisonnées, je crois. Enfin, les plantes empoisonnées. Je dis à chaque fois ça, mais c'est pas les plantes. C'est les monstres qui empoisonnaient les salles, enfin, du moins le vaisseau. On avait. Oh, c'est quoi ça? On avait affronté l'espèce d'anus géant. Et maintenant, on va sécher ces enfoirés. Ok, c'est bon. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Par là, ok. On va récupérer ça. On va rien acheter pour l'instant, on va économiser les thunes. Ouais, voilà, en parlant de thunes, on en reçoit un peu plus. Je peux y aller là? Ah, mais c'est par là qu'il faut aller. Entrée zone sans gravité. La porte d'embarquement a une sécurité. Si la gravité est coupée, elle ne s'ouvre pas. On va la rétablir avec ces gros débris dans la pièce. Essaie de déplacer vers ce rayon de gravité par télékinésie. Attention, restaurer la gravité avant d'entrer dans la salle de contrôle. Merci. Je peux... Oh merde. Il y en a combien? Ça veut quoi? Attention. On va prendre un peu de vacances. Voilà, comme ça on va laisser venir de loin. Voilà. Oh merde, c'est une balle. Allez, vas-y, on sort. C'est l'heure de faire un peu de travaux. Ou de la boucherie, ça dépend pour ceux qui pensent. Ok, alors il faut propulser les choses là-haut. Oula, attends, ça va plus tard. Je l'ai vu, il est parti vers là-haut, là, voilà. Bon, en fait, j'ai tué tous les monstres, tous les trucs sont en train de voler partout. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est de l'énergie, c'est des munitions. Et il faut les envoyer où? Comment? Comme ça? Ouais, je crois que c'est comme ça. De l'argent. C'est dur quand même parce que à force d'aller à droite et à gauche on sait même plus dans quelle pièce c'est droit ou pas. Voilà, ça c'est réglé. Anomalie détruite. On n'y a juste pas encore. C'est tout. On va essayer de faire les choses en même temps. Merde, j'ai chié mon con. Attention,
Restaurer la gravité avant d'entrer dans la salle de contrôle. Merci. Oui, je sais, merci. Arrête de me dire les choses, je sais ce que j'ai à faire. Oh merde, c'est eux. Ta mère va jamais trop te connaître comme ça. Merci. Ciao, petit monstre. Attention. Restaurer la gravité avant d'entrer dans la salle de contrôle. Merci. Oui. Laisse-moi déjà me retrouver. Attention. Restaurer la gravité avant d'entrer dans la salle de contrôle. Merci. Ah oui, c'est là-bas. Attention. Restaurer la gravité avant d'entrer dans la salle de contrôle. Merci. Oh putain, c'est mal fait ça. Gravité restaurée. Accès salle de contrôle autorisée. C'est dégueulasse. Ils ont attendu à ce que je remette. Oh putain, j'ai plus de balles. Ils sont partout, c'est pourri. Oh merde, là je suis dans la merde. Allez, courage, je refonce. Attends. Voilà. On recharge. 3, 2, 1, boum. Oh putain, il y en a un derrière. Et il y en a un devant. Et ma vie est faible maintenant. Bon, vous savez quoi, on va foncer directement à la porte. Sauf s'il y en a un qui se met à tracer. Non, ça va. Voilà, c'est bon, on y est. Quoi, je... Ferme ta porte, toi. C'est la clé, Isaac. Tu peux entrer dans la salle de contrôle pour lancer l'astéroïde. Et... C'est une blague. Putain, vous avez la dalle, les mecs. Non. C'était un bon soldat. RIP, petit soldat. Un bout de ce mec là. Putain, il me reste plus grand chose en vie. Avec quoi cette arme, elle est pourrie, on va la changer. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça quand même. Elle est vraiment pourrie cette arme. Et il ne reste que ça comme par hasard. Allez, on est bon. On va essayer de faire un maximum de thunes pour racheter à nouveau.
Même si le point de force, par exemple, là, il faut le revendre, on le revendra. C'est par là. Ok. C'est quoi ce bruit là? Ok, par là. Recycler les matériaux usagés régulièrement. Merci. Ah. J'ai pas entendu un... Putain, si j'entends un bruit quand je m'approche, mais... Non, c'est pas là. Ouais, c'est par là. Merde. Allez, vite, une porte, on se casse d'ici. Là, il va nous faire. Arrête! Faut monter ou en haut, descendre, comment ça se passe? Ok, on descend. Voilà. Là, on va se mettre en position ici parce que. Vous voyez là? Ça, il le pète, il saute dedans et après, il tombe dans l'ascenseur. Pour l'instant, pas de cible. J'ai entendu, oui. Cette zone-là a l'air hyper infectée et j'ai pas d'armes. Ah, regardez ça bouge, juste là. On va y aller. C'est une blague. J'étais en train de le couper. Pourquoi je suis comme ça là? Arrête de fuir, viens te battre. Il est vivant encore. C'était une sacrée belle boucherie. Non, j'ai cru que j'avais récupéré des armes d'assaut. Et il me faudrait de la vie aussi, surtout, c'est ça. Docteur Karin, mais qu'est-ce que vous faites? Parfait. Si vous approchez, j'actuerai. Donnez-moi les codes d'accès au chargement. Non, pauvre fou, c'est la procédure. Je ne peux pas vous les donner, je ne peux pas. Arrêtez ça. Arrêtez de tous vous foutre de moi. Je dois emmener le monolithe à tout prix. Je veux ces codes. Je ne les ai pas. Que vous avez tué tout le monde. Allez, si vous en avez, tirez. Bon Dieu, il faut l'arrêter tout de suite. Tant qu'il en est encore temps. Ah, il a perdu la tête. Appelez la sécurité. On n'a pas de vie, je sais pas où est-ce qu'on va aller comme ça.
Il est pas mort, hein. J'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai plus de vie. Est-ce que ça avec ça je peux attendre? Ouais, je peux attendre. Ah là, je vous le dis honnêtement, on a très peu de vie. C'est un vrai jeu survival horror et là. Là on est mal au point là. Là je vois qu'il y a de la vie peut-être là-bas là. Allez dépêche-toi. Allez. Peut-être que là je suis assez près. Oh putain, ça m'énerve ça. Il est là, hein. Il est là le truc, mais il va pas l'attraper. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc on a vu qu'il y en avait un ici. Voilà, c'est réglé. Et il y avait un bordel, mais c'est pas grave. Là. Là, il y a des munitions. Pas de munitions ici, pas de vie, pas de... Ah, si. Merde. Ok, c'est bon, on va régler ça de suite. Merde. Non, c'est pas grave, on continue, on continue, on continue. Est-ce qu'il peut m'atteindre de là? Non, c'est trop loin. Bon, on va se servir de... Est-ce que ça j'ai des missions? Ouais, c'est bon. Isaac? Est-ce que c'est bien toi? Ça fait tellement longtemps. Mais je peux t'aider. Rejoins-moi. Donne-moi de la vie! Une bière, un match de foot et une pizza, merci. Oh. Oh, je crois que je l'ai pris. Ouais, c'est bon, je l'ai pris. Voilà, un peu plus de vie. Et vous savez quoi? Je crois que même l'arme, le PK, là, on va le vendre. Oh, il y a un truc là. Je tiens bon. Pour le moment. Touche pas à ma femme. Oh. Là, je récupère, merci. Si tu peux te dépêcher, par contre, chérie. T'as rien à me donner? Ah, voilà. On recharge, je pense qu'il va y en avoir un troisième qui va tomber. Voilà, comme on dit, il n'y a jamais deux sans trois. Oh la forêt, elle a fini. Dans sa gueule. Merde, ils ont décidé d'augmenter la difficulté. Oh, c'est abusé, c'est bon. Allez, dégage toi, petite merde. Oh putain, je suis pas. Ça commence vraiment à me saouler là de manquer de munitions là comme ça là. Ça c'est une arme de merde. Ceci elle nous sert bien à peu près. Ça on va la recharger, c'est bon c'est rechargé. Alors pour le début on va utiliser ce gun, après on va utiliser la scie.
va vite, on va récupérer les munitions qui ont apparu. Voilà, bim, bim, bim. Voilà, là je sais qu'il y en a un qui va apparaître juste en face de ma gueule. Allez, vas-y, amène-toi. C'est une blague, j'atteins pas. Ah ça, ça sera mieux. Ah ben on a pu dégager le monstre qui nous faisait chier. T'approches pas de l'école, on t'a déjà vu. Putain. Il y a trop de merde. Allez, crève, putain, il t'en faut combien d'ici, putain. Oh là là. La porte est ouverte, Zach. Je peux pas te rejoindre, mais je vais chercher. Ouais, mais cherche ailleurs, ciao, je me casse. Ouvre la porte, c'est moi qui bute. Oh, de la méga vie. Isaac. Voilà. Hey, j'ai perdu ton signal un moment. J'ai cru que tu étais... Je vois que tu as la balise. Renvoie à la zone de forage et j'aimerais bien à l'astéroïde. D'après la simulation, il faut qu'on dépêche de la lancer. Comme ça, elle pourra atteindre rapidement la distance optimale de transmission. Toujours rien pour Amand. À vrai dire, je ne fais plus trop d'illusions. Attends, mais pourquoi tu m'as envoyé là s'il faut ressortir là? Ah putain, mais dis pas qu'il faut refaire le chemin. Ah si, il faut refaire le chemin. Bon allez, c'est parti. Alors, on sait que déjà qu'il y en a un petit qui se promène. Ah ben oui, il va les renvoyer en force. Voilà. Comme c'est pas assez, on va faire chier. Je les ai vus à la dernière minute. Allez, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, qu'on se barre. Allez, 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 on se barre ici, on se barre. Protection requise en toutes circonstances dans les zones de classe A. Maintenant que tu as la balise et la clé, dirige-toi là-bas. L'astéroïde a l'air maintenu par des attaches gravitationnelles. Tu devras les désactiver pour le lancer. Je vois pas mes munitions. Mes munitions quand il me parle, les gens. Oh. Oh non, 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 c'est bon. Y'a pas de quoi me soigner là, un storage. Un stockage. Attends, la poche, les gens. C'est un peu de malade. Hein.
salle de bord. Ingénieur général en seconde, Alain sous rapport. Ce rapport sera mon dernier. J'ai vu leur pouvoir. Ce qu'ils peuvent faire. Ce qu'ils deviennent. Je ne peux pas finir comme ça. Au moins, si j'étais plus membre, je ne pourrais tuer personne quand je serai affecté. Dites à Dan. À mes enfants. Mon Dieu! C'est coupé les membres, le mec. Un sacré courage. Hein. Bon, écoutez, moi je vais faire un petit coup de point de force. Je vais améliorer les capacités de Isaac. Et puis on continue dans un prochain épisode. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre aussi? Je vais essayer absolument de trouver un stock. Donc, en même temps qu'on fera le prochain épisode, je vais essayer de trouver un stock parce que là, on a besoin de vendre, on a besoin de se faire un plein de munitions complet. Ça devient difficile, ça devient chiant, donc on va trouver tout ça. Bien écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter, et puis abonnez-vous pour voir la suite. Ciao, ciao !